Depuis les prémices de l'automobile, la marque Monroe est synonyme de conduite en toute sécurité. Saviez-vous que Monroe avait même créé son produit phare, l'amortisseur, 7 années avant son apparition ? En 1916, les véhicules étaient encore équipés de ressorts de chariot, ce qui rendait la balade plus drôle, mais surtout plus douloureuse pour le conducteur et ses passagers. Mais au-delà de la conduite pénible provoquée par des routes jonchées de pierres et d'ornières, les premiers conducteurs étaient surtout frustrés par la fréquence des crevaisons. Comme il y avait très peu d'ateliers et de garages, les conducteurs devaient généralement coller une rustine ou remplacer les pneus eux-mêmes. Ceci n'a pas échappé à deux entrepreneurs de la ville de Monroe dans le Michigan qui inventèrent la pompe à pneus Brisk Blast. En 1919, leur entreprise naissante est devenue la société Monroe Automobile Equipment Manufacturing Company. Mais les ingénieurs de Monroe ont très vite commencé à se concentrer sur un besoin encore plus grand, l'amélioration de la stabilité du véhicule. Pour résoudre ce problème, ils ont commencé à faire des expériences en utilisant leur pompe à pneus à cylindre simple comme absorbeur de choc hydraulique. L'innovant absorbeur de choc hydraulique à deux voies de Monroe fut introduit en 1926 et a été très vite reconnu par les constructeurs automobiles et les professionnels de la réparation. Dès lors, Monroe a été reconnu comme l'un des fournisseurs les plus innovants en systèmes et composants liés à la tenue de route et à la suspension. Au début des années 50, le célèbre Monroe-Matic était l'amortisseur le plus connu et le plus utilisé dans le monde. Sa performance exceptionnelle ainsi que l'extrême fiabilité des produits Monroe étaient présentes sur n'importe quel véhicule de tourisme, y compris la voiture qui a remporté les 500 miles d'Indianapolis. Peu après, Monroe a commencé à communiquer auprès de millions de consommateurs sur l'importance de remplacer les amortisseurs usés. La marque est devenue mondiale au début des années 60 et une expansion de grande envergure s'est produite dans les années 80, au moment où les Australiens ont enfin pu bénéficier des avantages sécuritaires, des amortisseurs et des jambes de force Monroe. Les innovations se sont succédées chaque décennie suivante. Les années 90 ont vu naître les amortisseurs et les jambes de force SensorTrac et Reflex de Monroe, célèbres dans le monde entier. En 2003, Monroe a révolutionné le secteur du remplacement de la jambe de suspension grâce à son innovant module de suspension complet Quickstrut. C'est en 2007 que Mercedes-Benz a introduit les premiers véhicules équipés d'un système de suspension électronique à contrôle continu développé par une société parente de Monroe, Tenneco. Ce système de pointe permet aux utilisateurs de bénéficier d'un système de suspension capable de passer de façon instantanée d'une suspension confortable à une suspension plus sportive en fonction des conditions de conduite. Le chemin a été long, depuis les routes boueuses et pierreuses du début du XXe siècle, mais avec chaque nouvelle génération de véhicules, Monroe continue à être l'entreprise phare du secteur. Grâce à ses technologies de maîtrise de la tenue qui aident des conducteurs comme vous à rentrer à la maison chaque jour en toute sécurité. Parce que votre sécurité est la raison d'être de nos produits et de notre entreprise.